C'était mon deuxième voyage en train de la soirée. La manière dont il commençait ne présageait rien de bon. Le vent glacial griffait mon visage comme du papier de verre et des lames de rasoir. La glace collait à mes mains et à mes pieds. Au lointain, le hurlement des sirènes. La ville hurlait après moi. New York défilait. Les toits sombres, les châteaux d'eau, la forêt immobile d'antennes et de cheminées, tout était flou. Gognitti décida de bouger lorsque le train ralentit. Meurtrier. Payne n'a nulle part où aller. Son arrestation est imminente.
Nous ferons une déclaration à ce moment-là. Pour l'instant, j'ai autre chose à faire, madame. C'était Jim Bavoa, directeur de la police de New York. Il n'a pas d'autres commentaires pour l'instant. Hormis ses habitudes alimentaires, j'imaginais que Bravoa était un type bien. Le destin avait fait de nous des adversaires sur cette affaire. Et quand il était sur le point de me capturer, il était bien loin de sa ligue. Et j'avais déjà quelques toits d'avance sur les flics. Pour l'instant. Il arrive! Je l'entends! Vous êtes prêts? Pointez vos armes vers la porte! Vous y êtes cette... Ouvrez, bon sang! Hey, je vais te tuer, pic de malheur! Gognitti allait rendre son dernier soupir dans une allée où les bouches d'égout crachaient de la fumée, comme si tous les feux de l'enfer brûlaient sous nos pieds. C'était le moment des soubresauts. Où est Lupino? Pas de faire foutre. Mauvaise réponse, Lenny. Ah, brutalité policière. Je ne suis pas mauvais, Dieu. Ouais, mais tu peux pas me descendre de sang-froid. Tu veux toujours me Je n'ai pas l'intention de faire tomber qui que ce soit. Je veux juste savoir où se plante ton patron. Je ne trouvais aucune gloire à ça, je n'avais rien demandé. Les ennuis s'étaient abattus sur moi comme un nuage de sauterelles. Le bon et le juste étaient de la poussière d'or dans cette ville. Je savais que je n'étais ni l'un ni l'autre. Je n'étais pas un héros, juste moi, mon flingue et le truand. Mes options étaient plutôt limitées. Je vais te parler, je vais te dire où il est, mais ne fais-moi mal. Lupino est au Ragnarok, la boîte de nuit. Arrête-moi. Lis-moi mes droits, fous-moi en tôle! Mais ne me fais pas de mal! On te lira tes droits, ton enterrement.